Alors, moi, je voulais essayer de parler d'un mouvement d'éducation nouvelle particulier, dès lors qu'on veut bien le classer comme un mouvement d'éducation nouvelle, hein, sur certaines caractéristiques, ça n'en revendique pas directement, c'est le scoutisme. Dans une période particulière, entre les années 30 et les années 60, dans un domaine particulier, qui est celui de la rééducation en France, et à partir d'un point de vue qui est particulier, c'est-à-dire celui d'un philosophe qui fait de l'histoire des idées. Donc, au cours de cette période, le domaine qu'on appellera l'enfance inadaptée, à partir de 1943, des travaux du Conseil technique, c'est un domaine en construction. Il se forme, il s'invente, il se réforme sur un plan législatif, institutionnel, et pour ce qui m'a intéressé le plus, sur un plan idéologique aussi. C'est-à-dire qu'on a un bouillonnement d'idées contradictoires qui vont se coaguler, s'allier, s'opposer, dans une période qu'on peut identifier au début des années 20 jusqu'à la fin des années 60 à peu près. Pour vous donner un ordre d'idée sur la formation des éducateurs en propre, la première session de formation des éducateurs spécialisés a lieu en 1936 au sein de l'administration pénitentiaire. Les premières écoles d'éducateurs ouvrent en 1942. Donc pour ça, je vous renvoie aux travaux de Michel Chauvière qui a très bien expliqué tout ça. Et le diplôme in fine arrivera en 1967. Donc on a quand même une période où on commence d'abord par travailler et ensuite on institutionnalise, etc. Donc dans cette histoire, le métier d'éducateur fait figure de synthèse pour apercevoir les oppositions idéologiques qui peuvent peut y avoir lieu, qui peuvent se dérouler dans ce domaine-là. Et la place du scoutisme dans la formation des éducateurs, c'est un bon poste d'observation. Donc mon titre est un peu trompeur parce que je ne vais pas déterminer concrètement quelle est la place du scoutisme dans la formation des éducateurs. Je n'ai pas épluché les programmes des écoles et ce travail archivistique des historiens comme Monsieur Palluot à côté, ou comme Samuel Boussion, ou comme Mathias Gardel l'ont déjà fait et le feraient ici bien mieux que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, en s'appuyant sur ce donné factuel, d'examiner les idées qui ont cours dans la rééducation de l'époque pour chercher à déterminer l'influence du scoutisme sur la construction de l'édifice institutionnel qui va entourer l'enfant en marge. Quand je dis enfant en marge, c'est l'enfant délinquant, l'enfant orphelin, l'enfant fou. Celui qu'on appelait à l'époque l'enfant arriéré, abandonné, malheureux, déficient, etc., etc. Celui qui deviendra l'enfant inadapté. Donc, plus spécifiquement, l'influence du scoutisme sur l'ensemble de la rééducation et sur la constitution de ce métier d'éducateur. La constitution idéologique et pratique. Donc c'est une question d'histoire des idées, en tout cas en philosophie, c'est ça. Alors, dans cette période, lorsqu'on remonte le temps, la première expérience de formation des éducateurs, c'est 1936. Elle a lieu au sein de l'administration pénitentiaire et elle est le fait d'un chef scout des éclaireurs unionistes de France qui s'appelle Jacques Guérin Desjardins. Alors, je reviens rapidement là-dessus parce que c'est un point de départ, 1936, en deux directions. Tout d'abord, en 1936, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez comme moi, le Front populaire arrive au pouvoir. Et pour ce qu'on appelle l'enfance malheureuse, déficiente, en danger moral, etc., c'est la période des grands scandales des instituts pénitentiaires d'éducation surveillée. C'est-à-dire que, depuis les années 30, des grands reporters, les princes de la profession, à l'égal d'Albert Londres, s'y intéressent, notamment Louis Roubaud, Henri d'Anjou, Alexis Danan. Ils en font un sujet de société autour duquel ils mobilisent l'opinion publique pour faire pression sur les dirigeants politiques. C'est ce que fait donc Madame Brunschvig, qui s'y intéresse, qui est secrétaire d'État à l'éducation nationale, qui rejoint son collègue Monsieur Rucard, et tous les deux demandent à Jacques Guérin Desjardins de former des véritables moniteurs éducateurs pour s'occuper des enfants placés dans ce qu'on appelait à l'époque les maisons de correction. Alors Jacques Guérin Desjardins, pour vous le dire rapidement, c'est le commissaire national des éclaireurs de France entre 1923 et 1936. Il a également fait des études de psychologie et il a été assistant dans la clinique de neuropsychiatrie infanto-juvénile, l'ancêtre de la pédopsychiatrie, de Georges Heuer, qui était installé dans le patronage Rollet à Paris. Donc autant vous dire qu'entre Brunschvig, Heuer, Rucard, Guérin Desjardins, c'est quelqu'un qui connaît tout le monde dans ce petit monde de la rééducation à cette époque-là. Et c'est important parce que dans le développement du métier, ça va être important. Alors cette tentative, elle échoue parce que Guérin Desjardins va essayer de former des instituteurs dans un établissement bien spécifique qui est celui de la Motte Beuvron, donc Saint-Maurice. Les anciens gardiens vont rester là. Donc du coup, les instituteurs vont arriver en plus sans leur chef, à savoir Guérin Desjardins, leur directeur. Bref, ils vont rapidement être mis de côté et cette histoire va passer à la trappe. Mais elle devient importante de manière rétrospective, parce que 1936 va devenir une date fondatrice dans la réécriture du domaine par lui-même à partir de 1945. Alors quand je dis par lui-même, c'est par ses principaux acteurs, notamment dans les textes de Henri Joubrel.
Henri Joubrel, c'est un personnage quand même incontournable de la rééducation entre les années 40 et 70. C'est un individu qui est magistrat de formation. Il est né en 1914. Il est magistrat de formation. Il n'a jamais plaidé. Il a passé la Deuxième Guerre mondiale comme journaliste à l'Illustration, un journal qui sera condamné pour collaboration, qui ce sera sa parution en 45. Et Joubrel, il est aussi éclaireur de France et commissaire des éclaireurs pendant, juste après Guérin Desjardins, entre 36, je crois, et quasiment 50. Et Joubrel, il est présent partout. Il écrit énormément. Il écrit des livres, il écrit des articles, il est présent dans les comités de rédaction des revues spécialisées de l'époque, il fait des conférences en Sorbonne, il organise des conférences, etc. Et il passe à l'époque pour la figure de l'éducateur. C'est-à-dire quand on demande qu'est-ce que ce métier qui naît, à savoir l'éducateur, eh bien c'est Joubrel qui prend la plume, c'est à Joubrel qu'on demande, quand bien même lui-même n'a jamais travaillé avec des enfants. Alors 1936, sous sa plume, ça devient une date fondatrice, il l'explique dans Kerguat, c'est Kerguat ou le salut des enfants perdus, c'est un récit sur un centre breton qui fonctionne d'après des méthodes scouts, et il l'écrit dans beaucoup d'articles, et il change la dramaturgie. Globalement, pour lui, il mentionne ni le contexte politique, ni le rôle des principaux protagonistes, mais il insiste sur un seul événement qui pour lui est fondateur, c'est la visite du fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell, à Paris en 1936. Baden-Powell arrive, il est reçu à l'Élysée, il fait une conférence en Sorbonne, et pour Joubrel, c'est l'événement fondateur de la rénovation, de la rééducation. Donc, ce qu'il fait avec ça, il fait deux choses importantes. La première, c'est qu'il réécrit, en 1945, l'histoire en train de se faire de la rééducation, en lui donnant une origine et en donnant au scoutisme une légitimité temporelle. Regardez, la rééducation renaît, le scoutisme était déjà là, avec son représentant le plus éminent, son fondateur, Baden-Powell. Et d'autre part, il donne, et il va œuvrer à ça pendant une vingtaine d'années, il essaye de donner au scoutisme une légitimité technique et institutionnelle en reliant sans cesse le développement du métier d'éducateur aux techniques, aux méthodes et aux idéaux scouts. Donc c'est là-dessus que je vais travailler, sur le fait que pour Joubrel, et pour un certain nombre de personnes bien placées dans le monde naissant de la rééducation, le scoutisme est à la fois techniquement compatible avec les développements techniques et institutionnels de la rééducation, parce que plus qu'une méthode d'éducation, c'est une véritable une méthode d'éducation nouvelle, c'est une véritable méthode de rééducation pour lui. Et il est aussi moralement compatible, et ça c'est pas neutre, avec les buts et les valeurs de l'enfance en marge à l'époque. C'est-à-dire que les idéaux du scoutisme et les qualités morales des scouts sont le pendant ou le correspondant des buts et des valeurs du travail avec l'enfant en marge. Donc je vais m'attarder pour ça maintenant sur trois aspects que j'ai choisis de manière un peu arbitraire, mais qui me semblent importants. Trois aspects du scoutisme qui montrent sa manière dont il est compatible avec le métier d'éducateur et dont il peut l'influencer. Alors le premier aspect, c'est la place du groupe et du chef, la place de la hiérarchie et des places sociales dans le scoutisme. C'est un mouvement d'éducation nouvelle, si on veut le caractériser un peu, qui quand même entend se caractériser en premier par l'action, bien plus que l'apprentissage ou l'instruction. Guérin Desjardins, dans les années 20-30, comme Joubrel, dans les années 40-50, ont des mots très durs pour l'éducation nationale. Ils ont surtout du dédain pour l'apprentissage scolaire. Je vous cite un passage de Joubrel dans les années 50. « Les parents semblent ignorer que les prix d'excellence donnent rarement des chefs dans la vie, et que les qualités de caractère, qui ne peuvent guère se développer en France qu'en dehors de l'école, sont le moteur des meilleures destinées. Leur soumission esclave à l'exigence de l'administration, leur silence qui les fait complices de cette démence, doivent cesser. » Voilà pour l'éducation nationale. Le scoutisme se dessine donc en contrepoint, par opposition, comme un mouvement de jeunes par et pour les jeunes, dont la finalité explicite est de faire des chefs scouts. Jacques Guérin Desjardins est un chef scout, il s'appelle Serre, je ne sais plus quoi, Jean Pinault, qui dirigera l'Institut de Montesson, s'appelle le Centaure, etc., etc. C'est-à-dire des individus exceptionnels, tant sur le plan physique que moral. Et ces qualités propres aux chefs peuvent être ensuite, ou doivent, dans l'esprit de Joubrel, être transposés chez le futur éducateur. Métier naissant qu'on n'arrive pas à définir, du coup le scoutisme va lui permettre en contrepoint de lui donner une image. Alors, je cite encore Guérin Desjardins cette fois-ci, il dit « Le chef éclaireur a 20 ou 30 ans, mais il a gardé la fraîcheur d'âme des enfants. Il est aimé d'eux parce qu'il pense comme eux, parce qu'il a les mêmes joies qu'eux. Il s'habille comme eux, il ne joue pas à l'adjudant. Il est simple, mais en même temps psychologue. Il est entraîneur, mais il est aussi organisateur. C'est le frère aîné, vigoureux, capable, toujours prêt à rendre service et à guider sur le chemin de la vie. » Entre parenthèses, le chemin de la vie, c'est la première traduction du poème pédagogique de Makarenko, d'une option idéologique radicalement différente
en 1939. Bref. Des jeunes hommes de cette trempe sont évidemment rares, c'est pourquoi le scoutisme ne connaît qu'une progression assez lente, parce qu'il se refuse de créer un groupe lorsqu'il ne dispose pas d'un éducateur capable de mener à bien sa tâche. Donc le scoutisme vise à faire des chefs, mais son unité de base reste quand même celle de la patrouille. C'est-à-dire celle d'un groupe au sein duquel chaque individu a une place et une fonction bien déterminée. Il y a celui qui fait le feu, il y a celui qui lit l'itinéraire, il y a celui qui monte la tente, et il y a le fameux cul de patte. Le dernier de la patrouille, qui on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il a quand même une place dans cette hiérarchie-là. Donc plus profondément, le rapport entre le chef et la patrouille montre, sur un plan idéologique, une conception de la vie en société qui est fondée sur la hiérarchie, tout d'abord, sur la connaissance et l'acceptation des places de chacun. Le scoutisme entendu ainsi n'est pas un mouvement de jeunesse qui vise à l'émancipation individuelle ou à changer la société. En tout cas, pas directement. C'est un mouvement avant tout conservateur, c'est-à-dire qu'il entend placer chaque individu à sa place dans un ensemble plus vaste auquel il doit participer, voire pour lequel il doit se sacrifier. C'est ce qu'il inscrit au cœur d'un clivage net au sein de la rééducation entre les années 30 et 70 à peu près, un clivage politique finalement, un clivage idéologique, entre une vision conservatrice d'une part et une vision politique de l'autre. La vision conservatrice, c'est celle qui est partagée par la plupart des acteurs du domaine en France. Le juge Chazal, qui est un ami de Joubrel, et de Gilbert Cesbron, qui écrira « Chien perdu sans collier » en 1954, qui décrit la rééducation de l'époque sur un mode absolument romancé, mais qui va quand même être vendu à 4 millions d'exemplaires à l'époque. Donc sur l'image et le développement de ce que c'est qu'un éducateur spécialisé, pour bon nombre de gens, à l'extérieur comme à l'intérieur du domaine, c'est une sorte de miroir. Miroir déformant, c'est en tout cas ce que je voudrais essayer de montrer. Donc elle est partagée par Chazal, Heuer, donc le fondateur de la pédopsychiatrie, Jean Pinault, le neuropsychiatre Lafont, évidemment Joubrel, etc. Bref, la majeure partie des personnes qui travaillent dans le domaine depuis les années 30 et qui vont y rester jusqu'à la fin des années 60. Pour eux, il s'agit de construire et d'organiser des méthodes et des institutions pour répondre aux inadaptations des enfants en marge. Si on fait un bref parallèle et qu'on reprend les conceptions d'Althusser, la rééducation apparaît comme un relais des appareils idéologiques d'État, c'est-à-dire un moteur d'assignation subjective, une manière de remettre l'individu dans un édifice institutionnel qui va lui donner une assignation subjective qu'il va ensuite incorporer. Pour le dire rapidement, de la même manière que l'école fabrique l'élève, que la famille fabrique le fils de famille, que l'usine fabrique l'ouvrier, eh ben, la rééducation fabrique l'inadapté. Et elle devient alors un rouage institutionnel de la répartition capitaliste des tâches et des métiers dans le système global. C'est ce que dénoncent, de l'autre côté, les tenants d'une conception politique de la rééducation, où on trouve pêle-mêle le psychologue Henri Vallon, le neuropsychiatre Louis Le Guillan ou l'éducateur Fernand Deligny. Alors initialement, moi j'ai fait ma thèse sur Fernand Deligny, et c'est travaillant sur Deligny, essayant de le comprendre dans son écosystème, que je me suis intéressé au scoutisme. Pour eux, qui sont tout aussi actifs à l'époque, qui écrivent dans les mêmes revues, qui partagent les mêmes tribunes, qui vont dans les mêmes conférences quand même, on est vraiment dans une période assez rare où des options idéologiques très fortes, très marquées, arrivent à se concilier, s'allier temporairement, pour ensuite parfois en arriver jusqu'à la rupture. Ça jusqu'à la rupture du tripartisme en 48, parce qu'à partir de là, les communistes vont quand même être rapidement évincés. Pour eux, ils refusent de considérer l'inadaptation des enfants en dehors des conditions matérielles dans lesquelles ils vivent, eux et leur famille. Position matérialiste, communiste, classique. Les causes de l'inadaptation, tout comme les solutions, les remèdes qu'on peut y apporter, ne sont pas uniquement à chercher du côté de l'institution, enfin de l'enfant, pardon, et des institutions ad hoc, qui seraient faites exprès pour répondre à ces problèmes, mais elles doivent se penser dans l'organisation tout entière de la société et son rapport avec l'enfant. Les diagnostics et les solutions institutionnelles n'en sont pas si on ne change pas les causes sociales de l'inadaptation, autrement dit si on ne fait pas un travail politique. Donc les oppositions sont idéologiques, mais elles sont aussi techniques. Elles s'incarnent par exemple dans le débat qu'il peut y avoir dans les années 45 autour de la place des maisons d'enfants. Faut-il ou non faire des maisons d'enfants? Pour Henri Joubrel, sur le modèle de Kergoat en Bretagne, une maison d'enfants, c'est un endroit merveilleux où des grands garçons en culottes courtes jouent le rôle de grands frères et en même temps de chefs bienveillants pour élever des enfants qui seraient mal partis dans la vie et qui sont pour partie déchus. Il y a une espèce d'eschatologie là-dedans quand même. Et c'est merveilleux, c'est comme ça qu'on va les sauver. Parce que Kergoat, c'est le titre complet de l'ouvrage, c'est Kergoat ou le salut des enfants perdus. Donc il s'agit de sauver les enfants perdus. Bon, très bien. Pour quelqu'un comme Le Guillan ou Deligny, une maison d'enfants, c'est un système artificiel dans lequel vivent des enfants d'une manière artificielle.
Et si le but est de les réinsérer ensuite dans la société, ça paraît légèrement contradictoire. Question qui peut se poser et qui se pose encore actuellement à l'ensemble de l'éducation spécialisée. Actuellement, une maison d'enfants, c'est 12 enfants qui vivent avec 6 éducateurs qui se relaient toute la semaine pour vivre avec eux. Or, dans la majeure partie des familles ou des familles de France, les enfants ne vivent pas à 12 sur des modalités collectives, ne doivent pas demander une semaine à l'avance s'ils peuvent recevoir leurs copains le mercredi après-midi, non pas aller voir la psychologue une fois par semaine ou une fois par mois, ça dépend, etc. Ce sont effectivement des conditions de vie artificielles qui correspondent à un certain nombre de problématiques. La question se pose encore, effectivement, est-ce que c'est la meilleure manière d'aider des enfants à s'intégrer dans une société au même titre que les autres ? La question se posait à l'époque, en tout cas elle est portée par Le Guillan, qui redéfinit du coup l'image de l'éducateur en disant « Il est peut-être moins utopique de croire et de faire appel à une certaine solidarité humaine dans le cadre d'une vie normale, à l'appui d'une sympathie collective, informée et organisée, qu'aux vertus exceptionnelles, quasi surhumaines, exigées des éducateurs spécialisés d'internat. » Alors, j'en arrive à mon deuxième point. En contrepoint de cette conception rééducatrice de la rééducation, le scoutisme repose, comme une grande part de la rééducation à l'époque, et notamment la neuropsychiatrie infanto-juvénile, sur un parallélisme moral entre le corps et l'esprit de l'enfant. Pour le dire autrement, les enfants inadaptés semblent aussi bien physiquement que moralement déchus, dans une espèce d'étrange unité psychophysique. Et à cette déchéance de l'enfant en marge doit correspondre la santé, la force, la vigueur, sur le plan physique et moral, de l'éducateur, évidemment, qui est formé sur la base de conceptions scouts. Alors le parallèle entre les deux est quand même saisissant, autant que cohérent, et on le trouve chez Jean Pinault. Jean Pinault, c'est quelqu'un qui est un ancien scout, qui va diriger l'école de Montesson. L'école de Montesson va accueillir les premières formations d'éducateurs spécialisés à la sortie de la guerre en 1943. Non, j'ai pas fini. Hein. Mais merci quand même. Alors Jean Pinault, qu'est-ce qu'il dit ? Je vous le cite, il écrit ça en 50. « La première qualité d'un éducateur digne de ce nom doit être un amour immense de l'enfant tel qu'il est. Et dans le cas particulier, il faut bien dire qu'il est souvent antipathique, têtu, buté, opposant, sale, grossier, voleur, etc. » On retrouve la même chose chez Joubrel en 1953, lorsqu'il décrit les qualités qu'il faut pour devenir éducateur. La vocation de s'occuper d'enfants, et en l'espèce d'enfants difficiles, est tout aussi innée et tout aussi nécessaire. Il faut aimer les jeunes déficients ou caractériels et vouloir leur consacrer sa vie. Il faut pouvoir les aimer tels qu'ils sont au début, c'est-à-dire souvent bornés, perturbés et fort sales, au physique comme au moral. Donc voilà l'enfant tel qu'il est décrit par les scouts Joubrel et Pinault. Il est donc antipathique, têtu, buté, opposant, sale, grossier, voleur, borné, perturbé, fort sale, au physique comme au moral. Sur 5 lignes, l'ensemble des adjectifs mêle allègrement le physique, le moral, le comportemental, l'éthiologique. Et dans le discours de l'adulte scout en tout cas, l'enfant se caractérise par la somme de ses dégénérescences, et punible de ses failles et de ses imperfections. Face à lui, voilà l'adulte, c'est la figure de ce nouvel éducateur, scout accompli, à la moralité aussi ferme que son jarret, en pleine santé morale et physique, un être d'exception animé avant toute chose par une vocation, c'est-à-dire un être désintéressé avant toute chose, porté par un idéal pur et sans tache. Ce qui explique peut-être que la convention collective et le diplôme seront des choses qui vont arriver bien à la fin de tout ce parcours-là. D'abord, on travaille avec les enfants, on leur donne sa vie. Ensuite, on s'intéresse aux conditions de travail. Mais ça, Samuel Bouchon l'a très bien expliqué. Alors si on élargit un peu la focale, au-delà du scoutisme, il faut avoir en tête quand même que l'époque, depuis les années 30, cherche à percer le secret de l'inadaptation. Et ça, pour le philosophe, c'est intéressant. C'est-à-dire que le développement de la neuropsychiatrie infantile, notamment dans les années 20-30, grâce au travail de Georges Heuer, quand même son fondateur, dont la place va être absolument centrale dans toute la rééducation jusqu'aux années, la fin des années 50, fait de la notion de caractère une notion cruciale. C'est le caractère qui fait le lien entre le physique et le moral dans le discours neuropsychiatrique. Que l'enfant soit déclaré hyper-émotif, instable, épileptoïde ou pervers constitutionnel, la période est fan de toutes ces catégories, de ces nosographies, le caractère, c'est la manifestation dans le comportement de l'enfant de tares physiologiques, parfois accidentelles, mais le plus souvent congénitales, héritées. Dans les diagnostics de l'époque, il y a donc des hérédos syphilitiques, des hérédos alcooliques, qui mettent le feu aux fermes ou qui volent des vélos en raison d'une hérédité malheureuse qui aurait influé ou leur aurait donné des prédispositions physiologiques à mal agir. D'où l'importance du dépistage. À une période relativement récente,
Proposait, en tout cas un ministre, devenu ensuite président, proposait le dépistage des enfants de moins de 3 ans, quand même. Ce qui avait fait pas mal couler d'encre. Donc, dans ce cadre, les méthodes scouts s'avèrent particulièrement adaptées pour relever le corps et l'esprit de l'enfant. Elles se basent sur l'exercice, pour retrouver un corps sain, un esprit robuste, fortifié par le contact direct et purificateur avec la nature. Le centre modèle de Kerguat, c'est quand même en Bretagne, et il n'y a pas de barreaux, puisque les arbres sont les barreaux, ça n'est pas une prison. Oui, bon, soit. Les nuits à la belle étoile, les feux de camp, les courses d'orientation, les exercices physiques, j'en passe, et des meilleurs, permettent donc de relever le corps et l'esprit de l'enfant. Alors en face, la critique de ce genre d'explication psychophysique est vive, parfois virulente, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais c'est le cas sous la plume de Fernand Deligny, qui en démontre un peu toute la fatuité, le caractère faussement scientifique dans beaucoup de ses textes, en tout cas qu'il tourne en ridicule, comme dans Graines de crapule, paru en 45 et qui fait date quand même dans le domaine, où il écrit « Il y a les érédos tuberculeux, les érédos alcooliques et les érédos malheureux. Il y a trois fils qu'il faudrait tisser ensemble, l'individuel, le social, le familial. Mais le familial est un peu pourri, le social est plein de nœuds, alors on tisse l'individuel seulement et l'on s'étonne de n'avoir fait que de l'ouvrage de dame artificiel et fragile. » Alors, dernier plan, c'est face à cette conception héroïsée de l'éducateur, qui va avoir une longue carrière devant elle, hein, la vocation de l'éducateur spécialisé, c'est quelque chose qui va continuer, qui continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire face au manque d'attractivité, on s'interroge sur la chute des vocations pour certaines professions, notamment celle des éducateurs spécialisés, là où les professionnels parlent de dégradation de conditions de travail quand même, et de questions salariales. On n'est pas exactement sur le même plan, c'est à peu près la même chose pour les infirmières ou les enseignants, il me semble. Mais en tout cas, cette héroïsation de l'éducateur spécialisé correspond très bien à l'arrière-plan chevaleresque du scoutisme français. Et là, je dis bien du scoutisme français qui, dès les années 20, ne manque pas d'emphase, puisque Nicolas Benoît, qui est l'un des fondateurs du scoutisme, en 1913, écrit, je le cite parce que c'est intéressant aussi, à l'adresse des gens qui voudraient devenir scouts, « Frère, es-tu de ceux qui ont soif d'idéal, soif de le voir régner sur terre et gouverner les actions des hommes? Es-tu de ceux qui, las de la médiocrité ambiante, aspirent à quelque chose de mieux? Veux-tu connaître le chemin qui conduit à la perfection universelle et par suite au bonheur? Il existe. Veux-tu le suivre? Veux-tu devenir un chevalier moderne et par tes actions et tes vertus préparer la grandeur de ton pays et de ta race? Veux-tu devenir un homme parmi les hommes, une de ces grandes âmes vers lesquelles les foules affolées se tournent instinctivement aux heures de bataille et de crise et qu'elles écoutent dévotement pendant les jours de paix féconde? » Placés dans le monde de la rééducation, ces chevaliers modernes sont donc forts de leur engagement, de leur vocation et surtout de cet amour qui leur permet d'accéder aux replis les plus profonds de l'identité maladive des enfants dont ils doivent s'occuper. Ce qui correspond, en fait, pour aller un peu plus vite, à une conception globale de la rééducation de l'époque qui est qu'il faut creuser et chercher en profondeur les causes de l'inadaptation. Joubrel écrit un livre dans les années 50 qui est « Causes et méthodes de l'inadaptation ». Mais la totalité du discours neuropsychiatrique cherche des causes. C'est bien pour ça qu'on établit des nosographies, qu'on fait une classification, notamment celle de Lagage, qui de 43, suite aux travaux du Conseil technique, il s'agit de trouver des causes pour trouver les bons outils. Alors, c'est une démarche diagnostique dans laquelle chacun a ses outils propres. Le psychologue a des tests, le médecin sa science du corps humain, le radiologue, l'imagerie, l'assistante sociale, son talent pour entrer dans la vie des familles. Quel est donc le talent de l'éducateur? Quels sont ses outils? Eh bien, l'éducateur, c'est cette manière d'entrer en communication avec l'enfant, cet amour qui lui permet d'intégrer la profondeur de l'enfant. L'amour, chez saint Augustin, c'est un mode de connaissance direct. C'est par l'amour que l'on connaît directement Dieu. C'est le mode de connaissance le plus élevé chez saint Augustin dans les Confessions. Donc, le héros, le chevalier moderne qui est le scout, par sa manière de se faire à la fois l'ami, le grand frère, le modèle de l'enfant dont il doit s'occuper, en obtient des confidences et la vérité intime. Et c'est ça son but, finalement. Je vous cite une citation de Jacques Guérin-Desjardins, qui parle de son travail à la clinique de Heuer dans les années 20. « Lorsque j'examinais au test Binet-Simon des enfants à la clinique de neuropsychiatrie infantile, souvent le patron, le docteur Heuer, m'a confié un enfant parce que ce n'était pas un malade organique, un cas pour un médecin, mais un enfant tourmenté qu'il fallait comprendre et ouvrir, un cas pour un éducateur. J'allais faire quelques pas avec l'enfant, et c'est bien rare si au bout de 20 minutes, il ne me traitait pas comme un confident. » Je m'en arrête là sur la vocation et sur l'amour, mais on voit bien ce que ça doit générer. Et donc, quelle est la spécificité de l'éducateur là-dedans? Bon.
La première qualité d'un éducateur digne de ce nom doit être un amour immense de l'enfant tel qu'il est, disait Jean Pinault, je vous l'ai déjà dit. Alors, de l'autre côté, ça donne lieu à débat, évidemment, à moquerie, et même à une certaine férocité. Je vous cite un exemple parmi cent autres de Fernand Duligny, pour lequel l'affect, l'intériorité, le sentiment n'est pas du tout la bonne manière de s'y prendre avec les enfants. Lorsqu'il décrit son travail dans Les Vagabonds efficaces, il écrit « L'escroquerie au sentiment est à nos yeux le choléra des entreprises éducatives antérieures. Et nous désinfectons au juron les fermentations affectives de tous ceux qui sont passés entre les mains des bonnes âmes. » Il y a un enjeu qui est un enjeu concret. Pour Deligny, il faut changer les conditions réelles d'existence des enfants, c'est-à-dire faire bouger les circonstances dans lesquelles ils vivent pour régler leurs problèmes. Il ne s'agit pas de chercher à les comprendre, de rentrer dans leur intériorité, de faire semblant d'être l'ami ou l'égal d'un enfant de 8 ans que ses parents ont abandonné, par exemple. Alors, en conclusion, ces aspects du scoutisme, trois aspects-là, ne lui sont pas propres et ils ne sont pas isolés chez certains de ses élateurs particulièrement éloquents, comme Guérin Desjardins ou Joubrel. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'ils sont défendus et étendus par des personnages qui sont au cœur de la rééducation de l'époque. Joubrel, c'est l'un des fondateurs du premier syndicat d'éducateurs, l'ANEJI, l'Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés. Il en sera le secrétaire général jusqu'en 1961. Il obtient un prix de l'Académie française en 1958. Donc, c'est des gens qui sont là et qui permettent de diffuser bien et très vite le scoutisme dans la rééducation et autour de cette image de l'éducateur. Évidemment, ça se déclinera ensuite dans une partie des programmes de formation. Et sur un autre deuxième plan, il correspond aussi, le scoutisme correspond à une partie de l'arrière-plan moral et idéologique qui est celui qui va dominer le monde de la rééducation jusqu'à la fin des années 60, qui est tenu essentiellement par la neuropsychiatrie infantile, les magistrats et les œuvres confessionnelles. Donc le scoutisme permet de révéler cet arrière-plan idéologique et en même temps qu'il le conforte par son action, malgré des oppositions vives qui vont avoir lieu jusqu'à la fin des années 50 et qui vont s'amenuiser à partir de là. Donc ce qui est intéressant, in fine, c'est que si le scoutisme s'implante profondément dans les mentalités et dans les parcours des principaux tenants de la rééducation, il va rapidement s'effacer et être oublié après les années 70. Dans le monde de la rééducation à la française, c'est un monde où les révolutions sont rapides et régulières et elles oublient presque régulièrement ce qu'elles croient réinventer. L'un des derniers ouvrages d'un éducateur qui écrit et qui vend pas mal de livres et qui est lu et étudié dans les centres de formation au travail social, c'est Philippe Gabéran. Il a écrit un livre qui s'appelle « La relation éducative, oser le verbe aimer ». Donc peut-être que de cette question de vocation, d'intériorité, de sentiment, on n'est pas totalement sorti encore aujourd'hui. Voilà, merci.